Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique Whiskf. Je vous affiche le nom ici puisque ma prononciation n'est peut-être pas tellement exacte. Voilà, donc c'est une boutique qui est spécialisée dans les petits accessoires en lin. Donc on y trouve des tote bags, des sacs un petit peu plus rigides. Et dernièrement, voilà, j'ai trouvé des petites nouveautés en fouillant. Il y a des trousses, des tabliers. Il y a des milliers de modèles différents, surtout dans les tote bags. C'est juste incroyable. Quand ils me demandent de choisir des produits, j'ai toujours du mal parce qu'il y a plein d'images très très belles. Donc cette fois-ci, j'ai choisi 5 produits. Donc vous allez voir 2 sacs, 2 trousses et un tablier. Il y a une trousse et un sac qui sont pour des cadeaux. Le reste est pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais en faire. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que du coup, bah, c'est des petites nouveautés. Donc on est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et on va commencer par un tote bag et puis ensuite je vous montrerai les petites nouveautés. Donc le tote bag que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je le trouve trop beau. Vous savez que je suis poisson de signe astrologique et quand j'ai vu ce petit tote bag, je me suis dit qu'il était trop mignon. Ah non, c'est pas le tote bag celui-là. C'est pas le tote bag, c'est le tablier. Donc on va commencer par une nouveauté. Et voilà pourquoi j'ai choisi les poissons. Je suis en train de vous dire totalement une bêtise. Donc c'est un tablier et voilà pourquoi j'ai pris poisson, parce qu'il va être pour moi. Et donc il se présente comme ceci. Donc on a la petite cordelette pour mettre autour du cou. Et ensuite voilà l'avant du tablier. Donc je l'ai trouvé vraiment beau. Accroché dans ma cuisine, il va apporter un brin de couleur. Ça c'est sûr, quand je vois les poissons là, en vrai ils sont juste magnifiques. Et donc, bien sûr, de chaque côté, on a la petite cordelette pour fermer autour de la taille. Donc, je le trouve vraiment très beau. Le seul petit truc que j'aurais pu avoir à redire, c'est peut-être avoir une petite poche. Mais bon, après, vous allez me dire, moi, je ne mets pas souvent des trucs dans mes poches quand je cuisine. Donc, voilà au niveau du tablier. Alors, le tissu, il est un petit peu entre souple et rigide, je dirais. Les coutures, elles sont plutôt pas mal, hein, regardez. C'est très bien fini. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Au dos, c'est un petit peu... je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Au dos, c'est plutôt plastifié un peu, j'ai l'impression. Donc j'imagine que ça peut passer à la machine. Je vous dirai quand je l'aurai lavé. En tout cas, moi, ce genre de choses, je le lave à 30. Voilà. Mais je le trouve vraiment trop beau et super coloré. Je vais vous montrer un poisson là, au milieu, de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc en plus, c'est vraiment très bien imprimé. Il n'y a pas de couleur délavée ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment punchy punchy et j'adore. Donc voilà, premier produit. Donc il y a plein de modèles. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Whiskf. Et j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, restez surtout jusqu'à la fin puisque j'ai une surprise pour vous. Voilà, donc ce petit tablier, vous le trouverez sur le site au prix de 6,75 €. Voilà. Donc je ne vous mettrai pas une photo de moi avec le tablier, mais je vous dirai si ça me va, si il est pratique et surtout s'il se lave. Voilà, sans être abîmé surtout. C'est surtout ça le but. Donc ensuite, on va passer à deux autres petits articles. Alors ce sont les mêmes, mais dans deux modèles différents. Donc j'ai pris des petites trousses. Alors celle avec les pandas va être pour un cadeau. Celle-ci, elle est pour moi puisque... il y a un S dessus, vous l'aurez compris. Donc je me suis repris une petite trousse. Alors j'hésite encore. Soit je vais la prendre pour emmener un petit peu de maquillage, voilà, quand j'ai besoin. Soit je vais y mettre des feutres. Je ne sais pas encore. Donc vraiment l'impression du S est juste magnifique. Hein. Il est imprimé recto verso, donc ça c'est très bien. Elle est toute rembourrée, franchement, à l'intérieur. Regardez, à l'intérieur, c'est du tissu un peu plastifié, mais c'est rembourré, il y a de la mousse dedans. Donc vraiment, tout souple, vous pouvez mettre des petites choses fragiles, elles sont protégées.
Donc voilà pour les nouvelles petites trousses sur le site de Whisk. Ici vous avez un petit, une petite ficelle si jamais vous voulez l'accrocher, si ça vous sert de trousse de toilette et que vous avez un petit crochet dans la salle de bain. Franchement, ce site pour des petits cadeaux personnalisés comme ceci, ou alors avec des images qui font plaisir aux gens, puisque ça, ce petit cadeau va être pour quelqu'un qui adore les pandas. Donc voilà, j'adore vraiment la trousse. On peut mettre pas mal dedans, je pense. Et sur le site de Whisk, vous trouverez ces trousses au prix de 4,81€. Les deux trousses ont le même prix, donc franchement, c'est top. Je vous montre les coutures. Hop, s'il veut bien, voilà. Les coutures, faites pas attention à mes ongles, hein. C'est la catastrophe. Il faut vraiment que... Ça y est, la repousse est presque quasiment faite, hein. On en est là. Il faut que je lime. Donc voilà pour la première et la deuxième. On va enlever le plastique inutile. Donc voilà la deuxième petite trousse. Donc franchement, l'impression est vraiment top. Vous avez vu, on voit les détails de l'herbe. Donc toujours recto verso. Toujours pareil à l'intérieur, donc elle se présente vraiment sous le même format à chaque fois. Et je les trouve vraiment trop chou, vraiment trop mimi. Donc voilà pour les petites trousses. Donc deux modèles différents, il y en a plein plein plein. Et donc je vous rappelle sur le site de Whisk, 4,81€. Voilà pour les petites trousses. On va passer ensuite... allez, au tote bag classique. Voilà, je me suis trompée, je voulais commencer par ça. Donc, tote bag classique aussi pour un cadeau. Et dans le même style que la trousse avec le S. Puisque là, on va avoir, hop, le tote bag avec un F. Voilà, mais aussi fleuri comme ceci. Il est vraiment trop beau. Donc là, vous avez toutes les lettres de l'alphabet qui existent. Hein, et encore une fois, des milliers de modèles. Franchement, je mens pas quand je vous dis que... Il y a des milliers de modèles. C'est juste incroyable. De toute façon, je crois que c'est le troisième... Ouais, troisième unboxing que je vous fais de cette boutique. Et à chaque fois, waouh, les images, quoi. C'est le top du top. Donc, sac en lin. En haut, on a des petites anses en corde, là. L'espèce de corde. Les coutures. Alors là, peut-être que c'est un petit peu écarté. Mais après, vous voyez, c'est très bien. Impression des deux côtés au niveau du dessin comme d'habitude. Et moi, vraiment, j'adore ça. Donc, les sacs, les tote bags simples comme ça en lin, vous les trouvez au prix de 5,78€ sur le site de Whisk. Voilà, donc ouais, un petit cadeau bien bien sympa. Je suis très très contente. Voilà pour ce tote bag. Et on va finir par le dernier article. Et ça... Ça fait partie des nouveautés, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un sac également, en lin, mais avec une forme un petit peu plus élaborée, si je peux dire comme ça. Hop, j'enlève le plastique qui fait du bruit. Et en fait, à chaque fois que je prends des tote bags pour aller à la bibliothèque, eh ben, j'ai jamais assez de place parce que les tote bags, ils n'ont pas des fonds avec... Vous savez qu'ils s'élargissent. Donc je me suis dit, j'ai vu ça et je me suis dit, mais ça c'est le top pour aller à la bibliothèque. C'est le top pourquoi? Parce que il y a des livres. Je trouve ça trop beau, franchement. Et il est plutôt rigide avec des coins et surtout il a des soufflets. Voilà, si je cherchais le mot, ce sont des soufflets. Regardez ça, comme il s'élargit. Alors il y a des petites poussières, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc à l'intérieur, hop, ça se présente comme ceci. Donc le fond est plastifié et bien 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 rigide. Voilà, donc là on a de quoi mettre mes livres et ceux de ma fille. Ici on a la petite pochette, bah, par exemple, où je peux glisser quand je m'en vais nos cartes de bibliothèque, mes clés, le téléphone, les papiers, voilà. Donc ça c'est bien pratique, on peut partir qu'avec ça si par exemple on y va à pied. Et donc de l'autre côté par contre, ceux-là ils sont blancs. Et il y a un petit nœud. Alors moi, je ne laisserai peut-être pas le petit nœud. Par contre, je ne sais pas si vous avez suivi le vlog de Noël. J'avais reçu un petit colis de Marilyn. Et j'ai reçu un petit ourson à diamanter en noir et blanc avec une anse en cuir. Et ben, je pense qu'il va aller là-dessus. Voilà, parce qu'il ira parfaitement bien. Les livres, le petit porte-clés nounours, ce sera parfait. En noir et blanc comme ça. Mais franchement, j'ai adoré l'impression des livres. Et ouais, vraiment, j'ai hâte de l'utiliser.
J'ai ma prochaine date à la bibliothèque le 3 janvier, donc ça va venir vite. Et ouais, non, le top. Franchement, j'adore ces sacs. Donc encore une fois, dans ce modèle-là, rigide comme ça, avec des soufflets, vous avez plein de modèles. Je vous avais montré, j'en avais pris un avec un S dessus. Aussi, que j'emmène souvent à la piscine, du coup. Et je vous ai pas dit, mais du coup, les anses, hein, regardez, les coutures sont top. Alors là, il y a un petit fil qui dépasse, mais c'est juste à couper. Les coutures sont top. Les anses, elles sont en cordelettes, comme ceci. Voilà. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Ce sont vraiment des sacs de très, très bonne qualité. Et par rapport au tote bag, eh ben, les livres seront beaucoup mieux placés à l'intérieur. Voilà, ce sera plus pratique. Voilà, et celui-ci, vous le trouvez... Alors, ils sont un peu plus chers, mais franchement, vu le sac, ça vaut le coup. Vous le trouvez au prix de 12,54€ sur le site de Whisk. Donc oui, là, les conversions sont faites. C'est pour ça que c'est tellement précis au centime près. Mais voilà. Donc, on arrive au bout de cet unboxing. Je vais vous remettre ma petite sélection. Donc, le tote bag classique, le tote bag amélioré, le tablier et les deux petites trousses. Voilà, donc je suis vraiment bien bien contente, merci beaucoup Whisk pour cet envoi. Et puis du coup, avant de vous quitter, je vous avais promis une petite surprise. C'est que la boutique Whisk m'a proposé de collaborer avec moi pour autre chose, c'est-à-dire pour vous offrir des petits cadeaux. Oui, 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 vous avez bien entendu. Donc la boutique Whisk me permet de vous offrir 5 cartes cadeaux, donc il y aura 5 gagnants. D'une valeur chacune de 8$. Donc 8$, vu les prix que je vous ai annoncés, par exemple, vous avez deux trousses gratuites. Donc ça peut être pas mal. Ou alors si vous souhaitez un sac comme ça, vous le payez 4€ au lieu de 12. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc pour participer, donc je vais faire un tirage au sort avec l'appli, hein, pour pas trop se compliquer la vie. Je vais faire partir le concours à partir de maintenant. Ce sera le dernier concours 2022 et il y en aura un tout nouveau début 2023. Voilà, on finit l'année en beauté, on en commence une nouvelle en beauté aussi. Donc le concours pour cette carte cadeau de 8$, donc j'en offre 5, hein, donc démarre maintenant. Je vais le laisser courir jusqu'à dimanche. Attendez, on est quoi? On est... jeudi. Je vais le laisser courir jusqu'à dimanche minuit. Donc dimanche, nous serons le 1er janvier, voilà, 2023 à minuit. Pour participer, ben tout simplement, il faudra laisser un commentaire avec un petit mot sur la boutique et un petit mot-clé avec le mot livre. Alors ça peut être... Non, on va mettre livre au pluriel, donc L-I-V-R-E-S. N'oubliez pas le S parce que sinon ça ne sélectionnera pas votre commentaire. Voilà, donc un petit commentaire pour la boutique avec le mot livre au pluriel glissé à l'intérieur entre maintenant et le 1er janvier à minuit. Et puis moi, lundi, je ferai le tirage au sort et je vous annoncerai les 5 gagnants. Petite condition supplémentaire, c'est qu'il faut être enregistré, il faut avoir un compte client sur la boutique Whisk, puisqu'ils vous enverront à vous directement le code par email, donc ils récupéreront votre email sur la boutique. Voilà, il faut que vous soyez déjà, alors pas client, mais il faut avoir créé un compte au moins sur leur boutique. Voilà, en tout cas j'espère que ce nouveau concours vous plaira. Moi je remercie encore une fois la boutique Whisk pour leur générosité envers moi, envers vous. Je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos impressions également en commentaire, à me laisser des petits pouces si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me suivre. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne chance pour le concours. Prenez soin de vous, bye bye.